Dans le Nord, la peur de la tomate subsiste. Ce n'est qu'en 1790 qu'elle parvient à s'y implanter, importée par les fédérés marseillais en pleine Révolution française. On se met alors à la manger à tout va. Crue, en sauce, séchée, farcie, en soupe, en tarte, en confiture, en salade, en gratin, en ratatouille, en tourte. Les Européens sont allés en Amérique pour convertir et soumettre les infidèles, imposer la parole de leur Dieu unique, leur langue, leur culture et l'organisation liée à l'ordre religieux de l'Occident. Et pourtant... L'or des Aztèques a servi à la confection de nombreux objets du culte catholique. On le trouve au cœur même des cathédrales du vieux continent.